Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu de Mountain Blade Bannerlord 2. Ça fait longtemps qu'on n'y avait pas joué, on pouvait pas du tout y jouer d'ailleurs, il y avait des petits soucis de lag. Bon, je n'ai pas fait quoi que ce soit. Il m'avait dit qu'il avait besoin d'aide parce qu'un groupe de brigands revenait régulièrement une fois par semaine pour lui demander à manger, etc. Et puis il avait tué deux villageois. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est que... Je vais l'aider pour son problème. Et il faut attendre quand, en fait, maintenant? On va y parler. Papyrus, je me souviens. D'accord. Ah ouais, mais attendez. Au pire, si je fais juste ça, je me mets sur la page ici pour voir. Comme ça, je peux voir la quête. Ah ouais, mais il y a 20 jours. Mais je vais pas attendre 20 jours quand même. Bah on va faire attendre. Ah, il est là. Cessez d'attendre. Groupe de déserteurs. Ils sont 21 quand même. Ouh, c'est des pillards des mers en plus. En général, c'est des mecs assez violents. Attendez, attendez. Je peux pas recruter des troupes en plus là, s'il vous plaît. Parce que je sens qu'on va prendre cher. Je peux en upgrade 3 au niveau 3. Enfin 7 au niveau 3, ça pourrait être intéressant, mais après ça va me coûter cher en salaire quoi. On va le faire comme ça, tant pis. On va juste faire un truc, on n'a pas encore sauvegardé une seule fois, donc on va sauvegarder. Voilà. Hey mon gars, je vais te poursuivre jusqu'à l'autre bout de la map, hein. Forcément, un jour, tu vas fatiguer. Alors. Haha! Je connais tes intentions, je te laisserai plus voler ces villages. Par contre, mettez-vous en position. Parce que là... c'est moi ou ils ont des chevaux? Ah, ils ont des javelots aussi! Je vais me faire éclater, je pense. Il faut que je l'attaque. Lui, c'était le chef, voilà. Ah, j'ai plus de flèches. Allez-y, les gars. Ils ont tué mon cheval! Ah, il y en a un autre ici.
Bah, c'est pas ça que je voudrais, c'est les javelots. Merci. Maintenant, on monte. Oh! Ça me rappelle quelque chose. Une histoire de chien, je crois. Alors, est-ce qu'il s'est passé des trucs chez les assaillants? Ah, c'est moi! J'ai perdu 9 unités! Ils m'ont tué 9 unités! Bon, alors, on a tué 14, mais... Bon, par contre, eux, regardez, c'est des niveaux 3, 4, 5 même. Ça vaut de l'argent. Ça vaut beaucoup d'argent. Donc, on les prend. Les petites unités caca, là, on les augmente vite fait au passage. Wouah! Ils ont même des chevaux de somme et Des chevaux. tout. Oui, des chevaux, excusez-moi, c'est bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Alors. Butin accepté. On va au château. Ah, demander. Ah, on peut aller parler à un noble, tiens. Le vôtre n'est pas un visage que je connais. Quel est votre nom, étranger? Mon nom est Papy Brossard, madame. Je suis Lydia, du Gundawarwin, l'une des anciennes lignées de Sturge. Qu'est-ce que la folie de Nezreth? Ah, c'est une bataille. L'empereur Nezreth a dirigé une armée accompagnée de Cusack et d'Acerail pour combattre une coalition de Sturgiens, de Bataniens et de Vlandiens. Ce fut un désastre pour lui. Il est mort là-bas. Et les vainqueurs ne se sont pas beaucoup mieux sortis. Je dois partir à présent. Merci. Alors, par contre, il faut que je retourne vite à une ville. Alors déjà, c'était où la quête que je l'avais prise, hein? La Fen, là-bas. Mais il faudrait que je passe d'abord par Omor. Parce qu'en fait, les pillards que j'ai capturés, ils peuvent se libérer au bout d'un moment. Donc, plus vite j'arrive à les vendre, entre guillemets, plus vite je suis tranquille. On va visiter la taverne, on va voir s'il n'y a pas quelqu'un qu'on pourrait parler pour recruter. Le rançonneur, ça on s'en fout. Ça c'est les arbalétriers mercenaires justement. Le tavernier. Bonjour mon brave. Alors, je suis Papy Brossard, monsieur, parlez-moi de vous. Ah oui, mais non, si c'est en anglais, c'est un peu chiant. Alors, je vais vous dire... La plupart des personnes vont vous dire un paquet de mensonges. Moi, j'étais un... Magique garde. Donc, j'étais un garde dans le temps de Aérénikos. On prenait la discipline avec sérieux et on en était fiers. D'accord. Ce n'était pas facile pour les hommes. Ils ont senti que la ville se retournait contre eux, les accusaient d'avoir tué l'empereur. Oui, ça, c'était à l'époque où il y a eu l'empereur qui est mort. D'accord. Alors, je pourrais utiliser une personne comme vous dans mon entreprise. Ah, 555. Ouais, mais allez, il a l'air d'être bon quand même, lui. Le mec, il s'appelle la hache sanglante quand même, hein. Donc, comme ça me fait un compagnon. Enfin, c'est dommage, je viens de vendre un équipement assez intéressant, j'aurais pu l'équiper avec. On va sortir d'ici, on va regarder si je peux pas y mettre au moins un cheval pour commencer. Alors, groupe. Oshi, la hache sanglante. Ah, attendez, il y a un groupe de pillards. Il me refaut de l'argent. Alors, rendez-vous, on va vous buter. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau.
Alors, je sais plus comment on fait pour resélectionner tout le monde en même temps, par contre. Ah oui, comme ça. Allez-y, les gars. Faudrait que... Ah merde, s'il se baisse en même temps, je peux pas le toucher. Oh, je l'ai touché. J'ai touché tellement loin. En plus, on a la personne qui est mort et ça, c'est très important. Ok, on récupère toutes les petites merdes qu'ils ont. On va vite fait au village maintenant pour pouvoir. Ok, ça veut dire que maintenant on peut retourner au combat. On va juste. C'était qui déjà qu'on avait fait la quête? C'était avec le mec là. Oui. On lui parle, on récupère notre thune. Ah oui, quand même, 900. Alors, si je veux vraiment monter ma réputation, je dis que la moitié des pièces suffit. Mais c'est vrai que 900, on est en plein développement, on en a besoin. Eh, je suis un marchand, on avait dit. Merci, ça sera fort utile. Allez, on y va les gars. On a encore gagné un point. On va mettre le point en attendant. Et ça, c'est aux morts. Donc c'était elle, on va lui parler. Je ne suis prêt. Oh, ça va chier apparemment. Regardez-moi ça, comment ils sont prêts pour le combat là. Alors, je vais me mettre au milieu. Vous venez me combattre? C'est Olguna Lépine qui vous a poussé à faire ça. Écoutez, il n'y a pas besoin d'effusion de sang. Cette ville est assez grande pour nous tous. Mais s'il y a un carnage, que vous voulez? Je serais heureux d'y pourvoir. Ah, moi j'avais dit que je préférais peut-être être avec le forgeron, justement. Et lui, c'est le forgeron. Et de base, il voulait pas se battre. Il veut juste faire son petit commerce tout ensemble dans la ville. Et il me propose de me payer le double. Vous voyez, je veux en venir. Il me propose de payer le double alors que je voulais l'aider lui à l'origine. C'est pas une très bonne histoire, ça. Il me paye alors que je veux l'aider. Allez, ah, aidez-moi, allez-y. Allez-y les gars, vous êtes les meilleurs. Payez double.
Ok, donc normalement j'ai monté ma réputation avec le mec, mais j'ai dû baisser la réputation avec elle. Donc, c'est ça. Je devrais se déplacer quand même suffisamment vite. Là, si je fais un test sur lui, je l'attrape très vite. Et ça, c'est très intéressant. Je vais louper. Allez. Ah, je l'ai eu dans le cul. Il s'est tenu la cul. Je vais aller voir si on voit la flèche. Ah oui, j'étais bien eu dans le cul, hein, mais il n'y a pas la flèche par contre. Voilà, maintenant il y est. Aïe, Oshi, la hache sanglante a pris cher tout à l'heure, il a 3% HP. Aïe, 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 aïe. Allez, il faut qu'on continue à recruter, nous. On a besoin de toujours plus d'unités. Alors, querelle de famille. Ah, ça c'est bien et chiant en même temps. J'aime pas trop ce genre de quête. C'est très compliqué pour moi pour l'instant de faire ce genre de quête. Je peux pas les faire. Au niveau de la bouffe, je n'ai plus beaucoup de bouffe et je n'ai plus assez de produits variés. Alors on va essayer de remonter un peu plus loin maintenant. Ah, j'ai tourné la carte tout à l'heure. Ok, c'était comme ça de base. J'aimerais bien, là on est qu'ici, j'aimerais bien monter un peu plus haut vers Balga. Ah bah un groupe de pillards. Non, on va aller par là. Ouh, des pillards d'Imaïr. Voilà, on atteint le nombre maximum. C'est quoi? Extorsion par des... Ah, ça c'était bien, ça rapportait beaucoup et en plus on a gagné beaucoup d'argent. On avait perdu beaucoup de d'unités. Donc comment je peux vous aider? Donc il faut attendre ici pour le combat. Merci. On va juste sortir. On va se faire les autres pilleurs d'Ymer qu'il y a dans le coin. On a déjà recruté. Donc là, si on... Il va falloir augmenter un peu nos unités par contre. Là, si on veut se faire le pilleur des mers... Bon, ça va coûter cher, mais c'est pas grave. Là, il faut faire cela là, en premier. Ah, il y avait un groupe de déserteurs, je l'ai vu arriver en même temps. Bon, on va faire celui-là, puis on enchaîne sur l'autre après. On est le double en unité, ça va permettre de les faire XP un peu, je pense, en plus par-dessus. Mettez-vous en mur ici. Voilà. Mon but, ça va être un peu de les... Si je peux, de les ralentir un petit peu. Parce que là, ils sont avec du lourd. Hein. Allez, on va les faire utiliser un peu de javelot. Je peux. Ouch!
si on peut les faire gaspiller un peu leurs munitions, ça fait qu'ils auront plus les javelots qui font énormément de dégâts. Et s'ils en ont plus, après c'est bien. Mes unités vont pas se faire tuer en one shot à chaque fois. Allez-y les gars. Je peux pas tirer. Je crois que j'ai perdu une unité. Ah non, même pas. Même pas blessé, rien du tout. Ça, c'est bien. Ils peuvent pas s'échapper. Je connais votre intention. Par contre, là, ça va être plus compliqué. Hein. 23 contre 21, ils sont bien équipés. On va les remettre comme ça en mode mur. Moi, je vais essayer encore une fois de les attirer un peu pour gaspiller leurs munitions. Ah ah, je t'ai touché moi. Ouch. Oh, wow. Il m'a mis un javelot à l'autre bout de la map dans la tête quoi. Bon les gars, je compte sur vous là parce que je suis dans la merde moi. Ah bah, je suis dans la merde. Bon, allez les gars, je compte sur vous. Ouais, allez-y à 10 sur lui. C'est lui qui m'a fait mal. Vengez-moi. Ne laissez aucun survivant. Ah mais eux, ils s'enfuient là-bas. Attaquez-lui là. Je peux pas, non, je peux pas donner d'ordre quand je suis mort. D'ailleurs, j'espère que je suis pas mort définitivement parce que ça serait con. Normalement, non. Bon, on va faire accélérer un peu la bataille parce que... Ils sont en train de courir un peu partout à cause du mec qui a cheval là-bas, regardez-le. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai perdu 2 unités. Et en plus, des guerriers stygiens, les plus gros que j'avais. Ah, ça fait mal. Ça va, je suis juste... Ah. Oh. Oh, oh, oh. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais notre renommée a été augmentée. Le fait d'avoir fait ce genre de quête, ça fait qu'on a monté notre renommée. Donc ça voudra dire que peut-être on aura accès à de nouvelles quêtes plus facilement. Et que je vais pouvoir aller parler bientôt à... Querelle de famille, ça on peut pas. On va peut-être pouvoir parler enfin bientôt à un des souverains pour devenir du moins un vassal pour le moment, ou même ne serait-ce qu'un mercenaire qui défend les terres. Il y a un petit logo de Gold ici, je sais pas pourquoi. Par exemple, si je vais ici. Approche des portes, demandez un entretien avec Kisha. Paix sur vous, étranger, quel est votre nom? Mon nom est Papy Brossard, madame. Je suis Kisha, un chef de clan Sturge. Alors, j'ai entendu parler de votre nom. Les gens parlent bien sur vous. Et c'est bien de finalement vous rencontrer.
Je vais en profiter. Est-ce que vous auriez entendu parler de la bataille de Pendaric? Alors, tu sais que lui a des idées dessus. Il faudrait que j'aille voir un dirigeant des Sturviens. Il faudrait que je lui parle un de ces quatre à lui. Mais il faudrait que j'aille voir où il est. Alors, j'ai entendu dire que vous auriez peut-être un problème. Oui. J'ai embauché une bande de mercenaires pour une campagne il y a quelque temps. Mais normalement, les mercenaires ont leur propre honneur. Vous les payez, ils se battent pour vous. Vous ne le faites pas, ils vont ailleurs. Mais ces derniers ont clairement fait savoir que si je ne renouvelle pas le contrat, ils se tourneront vers le brigand. Et je ne peux pas le permettre. Alors, qu'est-ce que vous voudriez en faire? Vous avez la réputation de savoir gérer les voyous. Vous pourriez peut-être me récupérer, trouver un autre seigneur, par exemple, qui pourrait avoir besoin de ses services. Je pourrais éventuellement faire ça pour les envoyer chez quelqu'un d'autre, mais ça va être chiant. Parce qu'ils vont me vouloir de la bouffe, etc. Donc, il va falloir que j'aille vite fait dans un château. Et en plus, j'étais en train de partir par là, donc il faudrait que je descende par là. Il faudrait que j'aille jusqu'ici, là. Et le plus rapidement possible. Ah, les enfoirés, ils ont déjà commencé à me piquer de la marchandise. Ils ont pris quoi? Une bière, apparemment. Putain, les enfoirés. Arion. On n'aurait pas pu brosser, monsieur. Auriez-vous besoin de mercenaires? J'ai un contrat que je peux vous transférer pour 1500 deniers. Seulement! Ah! Enfoiré! Il m'a mis un stop direct et il a fait non, j'ai pas besoin. Bon, bah, je dois partir, hein. Si tu veux pas, bah, ça sert à rien, hein. Ah, il m'a mis un de ses stops! Ah, oh, c'était violent! J'ai même pas eu le temps de commencer. Ah, putain, il m'a volé encore de la réserve. J'ai même pas eu le temps de commencer à lui dire quelque chose qui m'a fait. Né, 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 je veux pas de ta merde, moi, dégage! Alors, on va déjà commencer par d'abord savoir. Avez-vous besoin de mercenaires? J'ai un contrat que je peux vous transférer pour seulement 1500 deniers. Va te faire foutre. Il m'a dégagé direct. Braddock. Je suis pas vu Brossard, monsieur. Ah, mais ils me disent non à tout. Ils veulent rien du tout, quoi. Alors, on va recommencer. Est-ce que vous auriez besoin de mercenaires, madame? Allez. Je ne peux pas savoir quelle ville est en guerre juste pour leur propos. Non, enfin je ne sais pas. Je ne sais pas, effectivement, il faudrait que je vois. Non, en fait, j'ai pas besoin de me faire chier à rentrer si c'est la même personne, en fait. Il n'y a pas des ennemis. On va essayer avec lui. Alors, je suis pas plus gros ça, monsieur. Est-ce que vous auriez besoin? Non. Est-ce que vous savez quelque chose? Non. Je dois partir à présent. On va essayer de parler avec l'autre. Ah, je pensais que la quête aurait été facile à faire. Ils ont besoin de rien. Oublions ça. C'est quoi la quête? Regarde, tu vois, a été fait prisonnier, a été fait prisonnier. Alors, propos.
Ouais, mais ils sont loin, donc je Ah, peux ils sont pas. trop loin. L'armée là, tous ensemble, donc si je leur parle, peut-être qu'ils auront eu besoin de Monzon et pas Pibrosa, monsieur. Alors, pourriez-vous me dire quoi que ce soit sur la bataille? D'accord. J'aimerais discuter. Vous allez écouter. Ah. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas. Ils veulent pas en fait. Ils ont pas besoin. Il faut vraiment que je passe par un château alors. Ouais, si avec celui-là. Alors. D'accord. Donc là, non. Eux, je peux pas parler pour leur donner. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont partis? Ou... Non, ils sont toujours avec moi. Oh, ils sont beaucoup ici. Il y a peut-être moyen qu'il y en ait un des quatre qui ait besoin du groupe militaire. Déjà, on va essayer d'avoir des infos là-dessus. Non. Ah! Il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé. Enfin! À 2 $. Alors. Otus Arze. Donc, parlez-moi des détails. Allez, on va essayer le calcul en cours ici. Donc, avez-vous besoin d'hommes infatigables? Vous devriez les voir en marche forcée. Oh, c'est un succès pour l'instant. Je vois. Et parlez-moi d'autres détails. Alors, bien entendu. Ils sont pas très chers. Incompétent. Ah! Je ne pense pas. J'aurais essayé. On va essayer de parler à l'autre, hein. Ah, ça avait bien commencé! Mon nom est Papy Brossard, madame. Auriez-vous besoin de quelqu'un? Ah, bah oui. Il a su que c'était des merdes, des brels, les mecs. Ouais, c'est ça. Mon nom est Papy Brossard. Auriez-vous besoin d'aide? Non. Ah putain, c'était la première qui était intéressée. T'as grillé ta cartouche. Et forcément, tous les autres, ils me disent non. Oublions ça. Ah, ça a failli marcher! Alors, et ils me disent tous qu'ils n'ont pas besoin. Bon, on va descendre au fur et à mesure dans la map. Hein. On va bientôt arriver tout au sud. Putain, il me reste déjà plus que 5 jours avant la famine, quoi. Ils m'ont bouffé toute la... Oh, au Vagos? Pourquoi il est deux fois? Alors... T'es sûr que t'as pas besoin? T'en veux pas? Et si je demande à ton frère jumeau? Les donne gratos. Prenez-les, je vous paye pour que vous les preniez. Tellement dans la merde. Hey, on va tomber à court de thunes et de bouffe à cause de connards qui veulent pas acheter des mercenaires. En plus, je peux même pas les différencier de les mecs à moi et les leurs. Chier quoi. Putain, mais y a personne dans les putains de châteaux! Putain, si je perds toutes mes unités que j'ai commencé à entraîner juste parce que je peux pas donner ces enculés de mes deux là.
Au pire, hop, on va attendre la nuit pour attaquer le repère. Attaquer. Je peux choisir les unités à qui j'attaque. Ah putain, mais forcément, il n'y a que des unités à moi, quoi. Bon. Bon, il y en a 12 normalement, j'en ai déjà buté un. Bon, de toute façon, on n'est plus. Ok, allez, suivez-moi les mecs. Ah, il est là enfin. Oh, il a l'air violent là. C'est qui ce mec? Oh putain. Bon, j'ai pas eu de mort, c'est bien, mais... Bon, ça va faire un peu de valeur, quoi, mais c'est pas ça mon problème. Allez, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez besoin. Je suis, regardez, je les ai bien entraînés. Vous êtes sûr que vous voulez pas? Putain. J'en ai marre. Bon, sur, grâce au petit combat là qu'on vient de faire, j'ai pu remonter un peu en argent. J'ai de la bouffe. Oh putain, ils m'ont pris tellement de bouffe d'un coup.
Bonjour, je suis Papy Brosseur. J'ai tué plein de brigands dans votre zone. Avec ces gentils mercenaires, va te faire foutre! C'est connard. Mais c'est quoi ça? Vous allez me dire que vous avez besoin de personne du tout là? Putain, même les graines, ils me les volent quoi. Putain de merde. Bonjour, Arion. Attends, tu es pressé, mais t'as pas besoin d'une unité militaire. Va te foutre. Je dois être à mon 30e château. T'es pas dans une zone où ils ont besoin en fait. Mais j'ai fait quasiment toute la map là. En guerre, les gars. Bah, s'il faut qu'ils soient en guerre, je vais être en guerre avec eux et après je vais leur dire vous avez besoin d'unité maintenant que je vous ai buté. Ça fait quoi au bout de 5 jours si tu les perds? Bah, c'est que j'ai pas de limite hein, pour la quête. Hein. T'as pas de Ça fait limite? 15 jours que je les ai. J'ai fait le tour de la map. J'étais Après toi. ici, je suis allé là-bas, je suis Oui. redescendu, je suis remonté. Oui. C'est peut-être pas ça le problème, c'est peut-être parce qu'ils sont pas assez entraînés. Tu joues avec. Non, mais ils sont déjà niveau 3, ils sont déjà bien entraînés. Oui, mais toi, t'es un rigolo, t'es pas niveau 3, toi. Allez, vos villes autour ont été attaquées. Vous n'avez pas besoin d'unités là pour les défendre. Puis Ah, mais de. pour faire du commerce en circuit court, il faut déjà que j'ai de l'argent. Mais vu qu'ils me bouffent tout mon Oui, argent. mais pour faire de l'argent, il faut que tu fasses plus de batailles. Et... Ouais, mais eux, le problème, c'est qu'ils vont me bouffer tout. Je suis obligé d'abord de les dégager avant de faire de la bataille, mais. Moi, je pense pas. Je pense que tu devrais. Non. Moi, je pense que tu devrais les garder, faire les batailles avec eux, et peut-être à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont dire, ah bah tiens, ça m'intéresse. Et là, non. C'est quoi? On va descendre ici, un endroit où j'ai pas beaucoup de monde. Allez, on va. Je sais ce qu'on va faire. Non, 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 il n'y a pas d'adieu qui tienne. C'est pas fini, mes gars. Donnez-moi vos biens. Infanterie! T'es là où il y a de la neige, t'as pas un malus toi quand il y a de la neige? Move! Non, au contraire, j'ai un bonus Make quoi. a start! Forward! Troops! Ils sont où les mecs là? Everyone, footmen! Move! Charge! Ah bah je vais attendre qu'ils reviennent. Ah d'accord. Si je vais pas les chercher en fait, ils vont pas venir à moi. Ils ont un avantage niveau combat. Oh puis merde, allez-y. Sauve-toi. Reste avec moi.
Il faut les empêcher de fuir. Après, s'ils reviennent dans le combat une fois qu'ils ont fui, ça va être emmerdant. Alors, mes unités sont où là? J'ai besoin d'aide, les gars! On se regroupe ici, s'il vous plaît. On fait un cercle, on se regroupe, on se regroupe. Allez les gars, ils ont eu hache sanglante là. Merci Paul Tech d'être passé, c'est très gentil de ta part. Faites un cercle ici. Alors pour l'instant, on a eu 12 morts chez nous. C'est principalement nos recrues, les mercenaires ont survécu. Merde. Attendez, il y a pas des... Je crois qu'il y a des munitions à terre. Il faut que je ramasse des munitions là parce que ça va être chiant. Il y a plein d'épées, ils sont ouf. Il y avait des arcs chez normalement. Il s'enfuit pas. Vous le finissez. Oh. Il est tout seul, je crois. C'est un cavalier. Forward, sir, move. Vite. Ah non, foiré. J'ai besoin d'aide. Move. Charge. Move. Faites un mur ici. Forward. Voilà. Il ne passera pas. Et dès qu'il arrive, attaquez! Reviens, saleté! Putain, il va nous faire chier jusqu'au bout, lui! J'ai plus de munitions! Ah ah, ils l'ont eu! 14 de réputation. On va retenter dans le château. Hein. Dernier. Hein. Après, je remonte juste là où j'étais avant et puis j'arrête là. Et là, en plus, j'ai même pas perdu mes unités, ça me fait chier. Ouais, je vais couper là. Mineur. Après ça hors stream. J'essaierai de comprendre pourquoi je peux pas. Au pire, j'irai suicider toutes mes unités et je recommencerai à zéro avec des nouvelles unités.
Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, hein? Bon, allez, c'est pas grave. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour un nouveau stream dessus. J'espère que j'aurai eu le temps pour supprimer ces unités à la con. Et on essaiera de faire des combats avec des plus grosses unités comme on vient de faire pour gagner de l'argent. Et dès qu'on aura assez d'argent, on pourra commencer à essayer de commencer à construire des sortes de routes commerciales, du commerce, devenir un vassal, quoi, tout simplement. Sur ce, portez-vous bien et bonne nuit tout le monde!